Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous voici déjà arrivés à notre dernière histoire. Et pour fêter cela, je te propose de découvrir les aventures des trois petits cochons et du grand méchant loup. Ouvre grand tes yeux, ouvre grand tes oreilles et ouvre grand ton cœur pour accueillir cette histoire. Il était une fois trois petits cochons. Nouf nouf. Naf naf et nif nif. Je vais vous raconter leur étonnante aventure. Le premier de nos trois petits cochons, Nouf nouf, est un petit cochon, ma foi, bien sympathique. Il vit à la campagne avec ses deux frères. C'est l'été, il fait chaud, chaud, et le ciel est toujours bleu. Nouf nouf aime se rouler dans l'herbe. Il aime courir au soleil. Par contre, Nouf Nouf aime beaucoup moins travailler. Je crois même que Nouf Nouf est un petit peu paresseux. Voilà pourquoi il a choisi de construire sa maison avec de la paille et du foin. Oh! Une maison de paille et de foin, ce n'est pas très solide, mais c'est bien plus facile à construire qu'une maison de pierre. Et pendant que Nouf Nouf ramasse du foin et de la paille pour construire sa maison, Nif Nif, quant à lui, a décidé de construire sa maison avec du bois. Il prépare donc sa maison avec des branches qu'il ramasse par terre. Mais Nif Nif, tu es bien imprudent, mon ami. Ta maison ne sera pas solide. Crois-tu qu'elle résistera aux griffes de ton dangereux voisin, le grand méchant loup qui rôde dans le bois? Nous verrons bien. Nif Nif et Nouf Nouf, pour le moment, n'en ont cure. Ils ne craignent pas le méchant loup. Et plutôt que d'en avoir peur, ils chantent et ils dansent. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la, na. Pendant que Nouf Nouf et Nif Nif sont en train de danser et de chanter, Naf Naf, lui, prend le temps de construire sa maison avec des briques et du ciment. Naf naf, Oh, non, 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 moi j'ai du travail, hein. Je préfère construire ma maison pour la rendre bien solide. Allez, allez, dis s'il te plaît, on va s'amuser ensemble. Allez, s'il te plaît. Mais enfin, vous n'avez pas peur du grand méchant loup qui rôde dans le bois? J'ai du travail. Allez-y sans moi si vous voulez. Moi, je continue à construire ma maison. Oh là là, qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la-na. Mais un jour arriva l'hiver. Les trois petits cochons ont fini de construire leur maison. Et pendant que Naf Naf continue d'aménager sa maison et coupe du bois pour sa cheminée, Nif Nif et Nouf Nouf, par une belle après-midi d'hiver, décident d'aller danser et chanter dans les bois. Naf Naf, Naf Naf, dis, tu viens avec nous? Oh, ben non, mais non, mais non, j'ai encore du travail. Et puis là maintenant, oh, oh, j'ai du bois et je vais aller me mettre au chaud, hein. Allez, oh, 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 ben, écoute, allez, s'il te plaît, viens jouer, danser avec nous dans la forêt. Non, 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 allez-y, si vous voulez, mais moi, je me mets au chaud, hein. Allez, oh, et puis soyez prudent, hein, le loup rôde. Oh là là, Naf Naf, allez, s'il te plaît. Non, non, à tout à l'heure. Bon, allez, on y va, nous, Naf Naf, quel peureux. Ah, pom 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 pom. Pom 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 pom
pam 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 pam. Et en effet, dans le bois, tous les animaux ont disparu dans leur terrier. Et le grand méchant loup rôde, l'estomac vide et les dents longues, longues, longues. La belle saison, pas le plus petit lapin à me mettre sous la dent. Il y a bien 8 jours que je ne sais plus ce que c'est que déjeuner. Et avec ça, oh, il fait un temps à ne pas mettre le museau dehors. Un vrai froid de loup. Il y aurait bien les jolis petits cochons. Rien que d'y penser. J'ai l'eau à la bouche. Mais il faudrait sortir du bois. Et ça, non, 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 c'est trop risqué. Ah, si seulement ils avaient l'idée de venir jouer dans mon domaine. Hélas, il arriva bientôt que le vœu du loup fut exaucé. Nouf Nouf et Nif Nif décidèrent donc de bien jouer et danser dans la forêt, le domaine du loup. Mais tout à coup, nos deux imprudents s'arrêtent. Là, derrière l'arbre, le loup les attend, les oreilles dressées, les yeux brillants de gourmandise. Il se pourlèche les babines en riant de plaisir. Oh, Nif Nif, le loup, vite, 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 courons chez moi, vite. Nif Nif et Nouf Nouf courent à toute allure pour venir se réfugier chez Nouf Nouf. Oh, oh, et heureusement, heureusement, le loup, affaibli par les privations de nourriture, est beaucoup trop lent et n'arrive pas à les rattraper. Ouvrez-moi, mes bons amis, ouvrez-moi! Non, pas question! Reste dehors, laisse-nous tranquilles! Oh, alors, je vais souffler sur votre sale vieille cabane de paille et elle s'envolera comme une plume au vent! Nif Nif et Nouf Nouf coururent jusqu'à la maison de Nif Nif. Vite, entre, entre! Oh là 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 là! Le loup, affaibli quand même, arrivait lentement, mais sûrement, à la maison de Nif Nif. Ah, alors, ah, me revoilà. Alors, ouvrez-moi maintenant. Ah, vous êtes encore là? Pas question, restez dehors. Vos histoires là, à vouloir nous croquer tout cru, pas question, laissez-nous tranquilles. Oh, je vais vous apprendre à vous moquer de moi. S'envoler. Oh ben tu peux parler toi. Ta maison à toi, elle s'est envolée du premier coup. Mais c'est pas du tout le moment de se disputer. Ouf, le loup continue à souffler. Vite, courons chez Naf Naf. Vite, vite. Oh mon Dieu, il faut que le loup souffle à un autre endroit pour que nous puissions nous échapper. Ouf, profitant du moment où le loup soufflait sur le côté de la maison, Nif Nif et Nouf Nouf s'enfuirent jusqu'à la maison de Naf Naf. Naf Naf, oh,
Ouvrez-moi, ouvrez-moi. Alors, c'est toujours vous, monsieur le loup? Restez dehors. Nous ne voulons pas vous laisser entrer. Ici, nous sommes bien à l'abri. Oh, le loup peut rester dehors, hein? Hein, Naf-Naf? Oh, ta maison, elle est vraiment bien solide. Et pendant que les trois petits cochons, bien à l'abri dans la maison de Naf-Naf, reprenaient leur souffle et commencèrent à chanter. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la-la. Le loup, toujours à l'affût pour attraper les petits cochons, était monté sur le toit. Je vais passer par cette cheminée et je vais les attraper par surprise pour les dévorer. Qu'est-ce que j'entends? Nif nif, nouf nouf, vous entendez? C'est le loup. Il grimpe sur le toit. Vite, vite, ouvre le couvercle du chaudron en dessous de la cheminée, vite. Attention. Je l'entends qui arrive. Le voilà qui descend par la cheminée. Vite, vite, avons-nous bien enlevé le couvercle de chaudron qui est sur le feu? Oui. Ah, notre bon ami va prendre un bain d'eau bouillante. Là-dessus, Messire Loup prit ses jambes à son cou sans demander son reste. Et il est bien loin maintenant s'il court encore. Et les trois petits cochons, pour fêter leur délivrance, se mirent joyeusement à chanter et à danser. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez d'ailleurs comment on tient le coup. Tra-la-la-la-la-la. J'espère que l'histoire des trois petits cochons et du grand méchant loup t'a plu, que tu n'as pas eu trop peur. Je te dis donc au revoir et je tiens chaleureusement à remercier tous les responsables et les acteurs de la petite enfance de la ville de Bruxelles pour leur soutien et leur confiance. Au revoir et prends bien soin de toi et de ta famille. Au revoir.